sont très importantes lors de la configuration de périphériques réseau. Dans ce module, nous vous expliquerons ce qu'est une adresse IP et comment déterminer l'adresse IP de votre ordinateur. Les réseaux utilisent un mode de communication fixe. C'est le protocole réseau. Sur Internet ou sur un réseau local relié à Internet, ce protocole est le TCP/IP. TCP est le sigle de Transmission Control Protocol. Ce mécanisme contrôle le transfert de données. Les données qui doivent être envoyées par le réseau sont divisées en petits paquets TCP. Ces paquets contiennent non seulement les données, mais aussi des informations concernant leur expéditeur et leur destinataire. Le protocole IP sous-jacent assure le transport des paquets TCP. IP veut dire Internet Protocol. L'expéditeur et le destinataire des informations ont tous deux une adresse IP. Cette adresse se compose toujours de 4 chiffres séparés par des points. Elle permet la communication entre un expéditeur, par exemple un serveur web quelque part sur Internet, et un destinataire, par exemple votre ordinateur. L'adresse IP de votre ordinateur est facile à retrouver. Cliquez sur « Démarrer », puis sur « Exécuter ». Tapez « CMD », l'abréviation de « Commande », dans la boîte de dialogue et cliquez sur « OK ». Dans la nouvelle fenêtre, tapez « IPconfig » et appuyez sur « Entrée ». Plusieurs informations s'affichent à l'écran, dont votre adresse IP. Pour finir, tapez « Exit » pour refermer la fenêtre. Lorsque votre ordinateur communique avec Internet, il utilise votre adresse IP unique. Mais attention, si votre ordinateur fait partie d'un réseau local ou LAN, cette adresse IP est une adresse interne. Pour sortir du réseau, il n'utilise pas la même adresse. En fait, pour envoyer des données via Internet, les ordinateurs du réseau pointent vers l'adresse IP du routeur, qui à son tour relaie le transfert au moyen de son adresse IP externe. Le routeur joue donc en quelque sorte le rôle de traducteur. Pour ce faire, le routeur utilise la technique NAT, ou Network Address Translation, en français traduction des adresses réseau. NAT traduit en fait l'adresse IP locale de votre ordinateur en adresse externe du routeur. Grâce à cette technique, le routeur devient un périphérique qui fait office de tampon entre le réseau local et Internet. Dans un LAN, les ordinateurs font partie d'un même sous-réseau. Ceci se voit au niveau des adresses IP locales qui ne diffèrent qu'à partir du quatrième groupe de chiffres. Par exemple, dans un certain sous-réseau, un seul ordinateur peut avoir comme adresse IP 192.168.10.1. Un autre ordinateur pourrait avoir l'adresse 192.168.10.2. Tous les ordinateurs du sous-réseau ont le même masque de sous-réseau. Grâce à cette suite de chiffres, le routeur connaît la taille du sous-réseau. Par défaut, le masque de sous-réseau d'un petit LAN est 3 fois 255 suivi d'un 0. Ceci signifie que, dans le sous-réseau, les 3 premiers chiffres de l'adresse IP doivent toujours être identiques. Seul le dernier peut varier d'un ordinateur à l'autre. Tous les sites web que vous visitez se situent sur un ordinateur quelque part sur Internet. Chaque site web est donc accessible grâce à l'adresse IP unique de l'ordinateur sur lequel il réside. Pour éviter que vous deviez, en tant que surfeur, retenir toutes les adresses IP de ces sites web, celles-ci sont présentées sous forme de nom de domaine. Par exemple, 3xw.disney.com remplace l'adresse IP 280.128.192.10. La conversion des adresses IP en nom de domaine est assurée par un serveur de nom de domaine ou serveur DNS. Ces serveurs sont mis à disposition par le fournisseur d'accès Internet. Les concepts de serveurs DNS, de NAT, de masque de sous-réseau et de protocole TCP/IP sont très importants pour quiconque souhaite configurer son réseau soi-même. Bonne chance !